Oui, je regarde Arbo pour cette réunion avec les sélections. C'est toujours des belles expériences avec des belles amis là-bas parce que je joue déjà avant avec beaucoup de joueurs. Et maintenant, je regarde Arbo pour les 10 jours avec la sélection. Bien sûr, ouais, je pensais en jouant à Wembley. Et là-bas, le stade il est plein. On voit une belle ambiance et ça, c'est une très belle expérience pour tout le monde. Bien sûr, c'est toujours bien parce qu'ici, tu fais toujours la même, tu es toujours avec les mêmes personnes et tout, tu travailles avec les mêmes personnes. Là-bas, il y a un peu différent. Tu es comme dans une stage avec tes belles continuations pour jouer de foot et ça, c'est bien pour tout le monde. Oui, elle veut visiter moi pour regarder un peu comment je travaille ici. Et on parle beaucoup ensemble. On va faire un petit dîner ensemble un soir et on parle sur la prochaine match et tout. C'est toujours bien de l'échange avec l'entraîneur de Suisse aussi. Oui, c'est différent. C'est un différent style. Hein. C'est pas le Suisse, c'est le style de français. Mais il y a de bons trucs ici aussi et là en Suisse aussi. Donc c'est bien si tu peux faire les deux choses, les deux. Ouais, il était positif. Je pense qu'ils en parlent aussi un peu ensemble. Ils parlent un peu sur les gardiens. Ça. Donc Joey fait et Fox aussi. Les deux parlent bien. Donc ouais, c'est bon pour les deux. Bien sûr, le jeu d'un gardien, c'est différent comme les autres joueurs. Et ça, c'est bien pour réfléchir tout le match et pour chercher des mauvais trucs et aussi des bons trucs. Et regarder ça avec Jean-Yves et parler ensemble. Donc, je peux dire mon vœu de jeu et lui, il peut dire qu'est-ce qu'il veut sur la banque. Et ça, c'est bien pour échanger et réfléchir tout le match. C'est franchement le petit détail. Ouais. Je pense que Jean-Yves et moi, on parle sur la même langue et on parle sur le même style de foot. Il connaît moi maintenant bien et je pense que nous sommes dans le même niveau de la tête. Je pense que pour moi, j'aime très bien. J'aime bien le style comme nous jouons. Je pense que l'équipe que nous avons, c'est une équipe qui besoin le ballon dans la pied et pas dans la air parce que nous n'avons pas des joueurs avec des gros tailles. Donc, on laisse le ballon sur la terrain et ça, c'est bon pour nous. C'est un peu de risque aussi, mais ça fait plaisir de jouer comme ça. Tout le monde doit être comme avec. Toi, être prêt et tout le monde doit chercher le ballon parce que si un joueur manque de l'intérêt qui est derrière un autre homme, c'est difficile pour nous. Donc tout le monde, c'est dans la responsabilité. Oui, j'essaie d'aider le club et l'équipe. Ça fait gros plaisir de jouer ici et ça, parce que c'est une super équipe. Et le style comme on jouait, ça me plaît aussi. C'est avec le staff, avec Jean-Yves, c'est super. Et ouais, je vais continuer comme ça. Ouais, peut-être. C'était l'année passée, c'était pas une année simple. C'était un peu difficile pour nous, mais c'était pour tout le monde. C'est pas une excuse. Mais maintenant, je suis content comme c'est maintenant. Et ouais, je vais continuer comme ça. Ouais, je pense que c'est un peu différent dans une sélection parce que tout le monde connaît son rôle normalement dans l'équipe. Mais tout le monde veut faire des bons trucs avec la sélection aussi. Et moi, je vais jouer ici, je vais faire mon truc ici à Montpellier pour montrer à l'entraîneur en Suisse que je suis prêt. Et ça, c'est mon part maintenant pour faire pour la sélection. Et après, là-bas, c'est la hiérarchie, il est clair. Mais ouais, pour la future, je ne dis jamais ça. Bien sûr, ouais. Dans la dernière année, la sélection de Suisse fait des belles trucs.
c'est une petite paye et c'est pas simple pour la Suisse pour arriver dans le grand tournement de monde ou d'Europe. Donc ouais, c'est franchement c'est bien et aussi pour les supporters de Suisse, c'est une énormément expérience toujours et ça c'est un peu d'exploit en Suisse si Zielinski arrivait dans le grand tournement. Et peut-être maintenant c'est un peu calme parce que c'est en moment c'était de matchs amicaux, ça c'est un peu différent, il n'y a pas de grosse pression, mais tous les matchs sont c'est important pour la Suisse, pour la Nazi, pour rester dans le tableau qui après est important pour choisir le pote duquel on prend jour par jour et après ouais, on va regarder.